Je libère la corde, la main reste ouverte. T'es compris? Allez, on y va. Comme ça? Exactement le même, comme avant. On est à 72 membres cette année. Ouais. D'accord, d'accord. Donc malgré le Covid, ça a bien repris. Ouais. Et les tranches d'âge, là, je vois des tout jeunes. Oui, on a de 25 plus jeunes jusqu'à 12 ans. Et puis on a les adolescents le mercredi soir, qui sont aussi une bonne vingtaine. Mm-hmm. Et puis le reste, c'est des adultes, ainsi que des retraités, quoi, qui viennent pratiquer leur sport plus en extérieur. On peut faire le tir olympique, donc c'est sur des blasons traditionnels, ce qu'on voit aux Jeux olympiques. Après, on a des blasons animaliers, rien à voir avec la chasse. C'est un sport où on tire sur des distances inconnues. C'est une compétition où il y a des championnats, donc départementales, régionales, et ainsi que les championnats de France. Après, on a une troisième discipline, ça s'appelle le tir 3D. Là, ce sont vraiment des animaux en mousse qui sont zonés aussi avec des points, et aussi sur distance inconnue, donc jusqu'à 40 mètres. Distance inconnue, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on approche, on a un piquet de tir, on voit l'animal, on décoche sa flèche, on ne connaît pas la distance, donc c'est vraiment à l'instinct, quoi. On fait souvent le championnat départemental, parce qu'on est un des seuls clubs à encore pratiquer cette discipline et de faire des compétitions au niveau de l'Alsace. Et après, tout ce qui est Grand Est, n'hésite pas à venir aussi nous rejoindre dans cette compétition. On a trois phases aussi, hein. On va apprendre les bases, on va avoir la maîtrise de la position, du geste et tout ça, et ensuite on va avoir l'automatisation. C'est-à-dire qu'on va arriver au pas de tir, on va automatiquement se poser comme il faut avec nos pieds, nos bras et tout ça. Et ensuite on va avoir un geste qui sera systématiquement identique. Et c'est ça qui fait qu'on peut travailler. Et quel est ton rôle ici dans le club? J'apprends à devenir assistant entraîneur. Donc c'est-à-dire que j'aide les petits à... on est toujours à mieux tirer, mais surtout à apprendre les bases. Quoi. Donc on aide un peu l'entraîneur, ça prépare le terrain, ça dit aux petits, voilà, essaye d'améliorer ci, ça. Et je compte aussi faire mon formation jeune arbitre donc pour les compétitions. Ça fait 8 ans que je fais du tir à l'arc, donc ça fait depuis que je suis tout petit, un peu comme eux. Index au coin de la bouche, voilà. T'en as mis qu'une, mais tu y arriveras.